Angélique, on est ici à Lillebonne. C'est le deuxième match de la saison pour vous aujourd'hui contre Saint-Avertin. Comment est-ce que vous pouvez me présenter déjà cet adversaire et puis cette rencontre? Là c'est une rencontre qui est plutôt abordable pour nous. Donc c'est un match important pour la saison. On était en National 2 l'année dernière, là on est redescendu en National 3. Donc aujourd'hui on espère avoir la première victoire de la saison, parce qu'on a fait la première journée qu'on n'a malheureusement pas gagné. Mais aujourd'hui c'est une rencontre accessible qu'on espère bien remporter. La saison, vous en parliez, quels vont être un petit peu les objectifs pour vous cette année? C'est d'abord le maintien dans un premier temps. Et après on va essayer de consolider un peu l'équipe pour avoir éventuellement une montée en N2, mais cette année je pense que ça va être compliqué. Mais déjà un maintien, ça sera très bien. Angélique, le match vient de se terminer, 4 partout. Quel bilan vous faites de cette rencontre et de ce match nul? C'est pas le résultat qu'on espérait, même si bon, 4-4 c'est quand même un bon résultat. Après, il y a eu quelques matchs qui sont passés vraiment pas loin. On espère faire mieux au retour, même s'il y a quand même du positif dans ce résultat. Bon, positif, vous en parliez. Vos deux résultats aussi en compte aujourd'hui. Vous avez gagné vos deux rencontres. Comment ça s'est passé et comment est-ce que vous êtes senti sur le terrain? Ça s'est plutôt bien passé. Hein, je m'attendais à pire. Donc maintenant, satisfaite de ramener des points, c'est assez positif. Donc satisfaite. On va espérer que ça se poursuive comme ça pour toute la saison.